Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est en train de faire des placards, donc c'est l'occasion pour moi de vous présenter le système LR32 de chez Festool. Donc c'est un petit système qui nous permet de faire justement toute cette rangée de trous avec un anthrax de 32. Donc c'est l'anthrax universel, hein, tout ce qui est meubles suédois et ce genre de choses, c'est le même anthrax pour pouvoir venir positionner vos taquets, mais aussi pour pouvoir justement installer vos embases de charnières, tout ce qui est aussi coulisses de tiroirs, etc. Généralement, via s'installer sur cette rangée de trous. Alors, pourquoi est-ce que moi je travaille avec le système LR32 ? Bah, tout simplement parce que je trouve qu'il est pratique. Au départ, je travaillais avec le système de chez Etiche que je vais vous montrer après, qui pour moi montre ses limites à partir du moment où on doit commencer à créer des décalages, où on veut mettre des trous à des endroits où on le souhaite. Voilà, ici en l'occurrence, moi j'ai un bandeau de débordement, donc je dois faire un décalage de 20 mm par rapport aux 37 mm qui sont préconisés, donc pour tout ce qui est en base de charnière et départ de coulisses de tiroir. Donc je dois pouvoir redécaler ma rangée de trous de 2 cm vers l'intérieur. Avec le système Etiche, on ne sait pas le faire, je vais vous montrer après. Alors, de quoi est composé le système LR32 et comment est-ce que ça fonctionne ? Ben, comme vous venez de le voir, on a une petite platine sur laquelle est positionnée la défonceuse avec une petite fraise de diamètre 5 mm qui correspond au diamètre de nos taquets support de tablette. Alors, pour venir installer votre défonceuse, on a un petit système. Hop, je pense que c'est ici. Voilà. On a une petite pièce comme ceci, donc qui vient se mettre dans la pince de la défonceuse et qui vient se centrer ici au niveau. Je vais débrancher juste la défonceuse, comme ça, je suis en sécurité. Donc ici, on a la petite plateforme et ça vient s'aligner dans la plateforme. Donc cette partie-là vient évidemment dans la pince de la défonceuse, on vient la descendre et elle vient se centrer parfaitement au centre de la plateforme. Comme ça, on est certain que l'axe de notre fraise va venir pile poil à l'endroit qu'on aura décidé par rapport à la dimension entre le champ avant de notre panneau et la pointe de notre fraise. Alors, le gabarit est composé, lui, par contre, d'une multitude de trous, tout simplement, donc hein, un trou avec un anthrax 32, comme je vous disais, et cette petite plateforme est munie d'une petite pièce là qui monte et qui descend. Donc quand la platine est positionnée dessus, elle vient se bloquer dans le trou, il suffit juste de soulever, faire coulisser, etc. Alors, ce qui est pratique aussi dans le système ici de chez Festool, c'est que vous avez ces petites réglettes qui viennent se positionner donc sur le rail de guidage, sur l'avant et sur l'arrière, d'accord, et qui permet de venir mettre les petites butées ici de profondeur en fonction de ce que vous avez décidé. Donc vous avez les graduations ici qui vous permettent de décider à quel endroit vous allez faire le trou de votre système 32. Donc par exemple, moi ici en l'occurrence, on a décidé de se tenir à 50 mm du bord avant de notre panneau. Donc je viens régler 50 mm, je viens le fixer sur le rail, je mets ma butée et je n'ai pas besoin de réfléchir plus loin. Je ne dois pas commencer à faire des calculs d'apothicaire, de savoir où est-ce que je dois mettre mon guide par rapport à ma défonceuse pour que le sort de ma fraise tombe au milieu, etc. Avec ceci, ben voilà, vous venez le positionner, hop, c'est bloqué, vous faites pareil de l'autre côté, vous êtes parfaitement parallèle et vous bloquez votre pièce. Alors, où il y a aussi des problèmes, souvent, c'est avec le système d'alignement. C'est-à-dire que là, je viens de faire ma rangée de trous et je vais devoir faire ma rangée de l'autre côté. Donc évidemment, il est hors de question de prendre mon rail,
Voilà, j'ai les petits serre-joints qui viennent dedans. Si je prends mon rail et que je le déplace comme ceci, ça ne va pas fonctionner puisque ma défonceuse est de ce côté-ci du rail. Donc je vais devoir retourner mon rail, d'accord, comme ceci. Hop, je vais juste retirer ça pour ne pas les faire tomber. Je retourne mon rail et je vais venir faire le trou, hop, de l'autre côté, d'accord. Donc je vais devoir venir à bouter pour venir faire mon système 32. Alors, à ce niveau-là, on a une petite butée ici du côté du rail que je vais desserrer pour vous montrer, d'accord. Voilà, vous avez une petite butée comme ceci qui vient s'insérer avec deux petites boules dans le système et alors vous venez juste la revisser, d'accord, pour que cette pièce-ci vienne à buter contre le champ de votre panneau. Alors, un truc super important à faire pour ceux qui ont le système et qui l'utilisent rarement, ça me ferait aussi un pense-bête parce que la dernière fois qu'on avait fait des placards, on avait dû réfléchir, on s'était trompé. Pour qu'on ait un alignement parfait en retournant notre guide, on doit mettre le 16. Donc, il y a un numéro 16 d'un côté et il y a un numéro 32 de l'autre. Vous mettez le 16 sur le haut de votre rail. Donc, vous devez voir le 16 vers vous. Donc, moi, je viens mettre mes deux petites boule bloquée, je viens juste revisser mon système et j'ai le 16 qui est vers moi, d'accord, qui correspond finalement à la moitié d'un autre axe, d'accord. Comme ça, quand je vais venir positionner mon rail contre le bas du panneau, que je vais venir positionner mes deux petites butées ici de part et d'autre pour avoir un axe parallèle, c'est-à-dire que moi ici on a décidé 50 mm, mes trous seront à 50 mm du bord arrière et du bord avant. Mais si on avait voulu par exemple mettre 60 mm sur l'arrière et 56 mm sur l'avant ou 12 mm, peu importe, selon vos idées, vous pouvez faire les réglages. Par contre, avec le système Etiche, on ne sait pas le faire. Je vais vous montrer pourquoi. Donc le système que j'utilisais avant, c'était ce système-ci, d'accord, de chez Etiche, qui est très bien fait à la base, hein, dans lequel on vient insérer une mèche. Donc c'est une mèche bien spécifique qui vient se positionner dedans. Donc c'est une mèche ronde, elle vient se bloquer dedans, on ne sait pas se tromper, pareil. Vous prenez une petite visseuse foreuse et puis hop, vous êtes parti, vous faites tous vos trous. Donc vous devez chaque fois la déplacer manuellement. C'est un petit peu plus long, un petit peu plus fastidieux qu'avec la défonceuse. Maintenant, bon, il existe des machines numériques qui vous permettent de faire toute une rangée de trous aussi. Donc la défonceuse, c'est aussi un petit peu fastidieux, mais je trouve que c'est plus rapide. Enfin bon, ça c'est mon idée. Alors ce système-ci, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de nouveau le système 32, pas de problème, et vous avez chaque fois des petites butées pour venir vous mettre pile poil contre le champ. Alors, c'est très bien fait parce que quand vous avez percé, vous êtes certain d'être à 37 mm du bord du champ, mais malheureusement, comme je vous expliquais, quand vous êtes dans des situations un peu particulières où vous voulez faire 67 mm, 87 mm ou je ne sais quelle autre mesure ronde parce que vous avez décidé de mesure ronde, vous ne savez pas le faire. Ou alors vous devez commencer à vous amuser, à faire des calculs d'apothicaire, venir régler votre truc, être parfaitement parallèle, etc. Voilà, c'est un petit peu les limites de ce gabarit-ci, puisque là vous avez vos butées, vous venez mettre votre butée ici sur votre gabarit, contre, vous avez une butée, ici en bout qui vient se bloquer et vous faites tous vos trous. Alors le côté pratique de la chose, c'est que quand vous êtes arrivé au bout de votre système, il suffit d'avancer, venir remettre, là je vais retirer la butée pour la vidéo, mais vous venez remettre, enfin pour l'exemple pardon, vous venez remettre la butée et vous venez la mettre dans le trou de votre système 32. Et comme ça vous reprolongez tout votre système, et d'ailleurs si vous regardez, tous les trous sont alignés. Donc quand vous avez une planche qui fait 6 mètres de long par exemple, ben, vous pouvez très bien utiliser ce gabarit-ci et le reprolonger à chaque fois, tout simplement. Hop, vous devez reprolonger vos systèmes de trous, vous venez mettre votre butée dedans, les deux butées contre votre champ et vous êtes bon. Mais comme je vous dis, avec ce gabarit-ci, malheureusement, vous êtes limité à 37 mm du champ de votre panneau et de votre système de trous LR32. D'accord ? Donc voilà, ça c'était pour ce gabarit-ci, donc c'est de chez Etiche, je vous dis, c'est pratique. J'ai d'ailleurs un abonné qui m'avait posé la question de savoir si c'était bien, etc. Il voulait l'acheter. Mais voilà, moi je lui ai déconseillé parce qu'à un moment donné, on est limité, tout simplement. Le seul petit bémol que j'ai apporté au système Festool, c'est que ben voilà, Festool, moi je suis fan, tout le monde le sait. Enfin, en tout cas, je veux dire, vous le voyez, je suis équipé principalement chez eux.
Mais je trouve que c'est un petit peu chaud. Voilà, ils pourraient très bien mettre tous leurs rails avec des trous. Donc, c'est-à-dire que les rails, vous les achetez avec votre scie circulaire ou avec n'importe quel outillage que vous allez acheter, vous avez les rails pleins. Honnêtement, voilà, ils pourraient très bien fournir dès le départ tous leurs rails avec les trous, enfin, avec le système de trous pré-percés. Et voilà, quand quelqu'un, 6 mois après, 1 an après, achète la défonceuse, ben voilà, il n'a plus qu'à acheter le petit système LR32, il est déjà équipé. Ici, malheureusement, en l'occurrence, ce que je trouve triste, c'est que ben, il faille acheter un rail avec des trous d'office pour la suite si on avait envie de faire le système 32. Donc moi, par exemple, pour ne rien vous cacher, quand j'ai acheté mon premier rail percé, j'avais déjà 4 rails. Donc c'est-à-dire que j'avais un rail de 2,20 m non percé, j'avais un rail d'1,40 m non percé, j'avais 2 rails de 80 non percé, et finalement j'ai dû racheter un rail d'1,40 m percé plus un rail de 2,50 m percé ou 2,24 m, je pense, parce que ben voilà, je ne savais pas adapter ma défonceuse. Donc ça, si je pouvais faire juste un petit coup de gueule ou un petit clin d'œil à Festool en leur disant ben voilà, ce serait sympa de faire tous vos rails directement pré-percés. Voilà, je trouve que ça pourrait aider pas mal de gens qui se lancent et qui n'ont peut-être pas toujours les moyens d'acheter directement tout le matos et les accessoires, etc. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Au niveau de la mise en place, ben voilà, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Je vous ai expliqué un petit peu le principe. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que ça se met. Vous allez comprendre que c'est super simple. Donc, on vient mettre la butée, donc comme je vous dis, à gauche, et les petites butées de parallélisme par rapport à notre champ. Donc, on vient juste le fixer sur l'avant du rail. On vient à buter. Donc, hein, on a vraiment les deux petites butées ici. On a à buter contre. Et de l'autre côté, ça évidemment, il faut bien vérifier qu'on est bien contre des deux côtés, vérifier qu'on est bien contre ici en bout. Et une fois que c'est fait, on vient utiliser nos serre-joints, voilà, presser la pièce. Une fois qu'on a pressé, on vérifie qu'on est toujours bien contre, presser le rail de l'autre côté. Voilà. Revérifier que je suis bien contre, revérifier que je suis bien contre, et ici contre. Alors, c'est toutes des vérifications que je fais, bon, qui vous semblent peut-être, ouais, bon, à part vérifier tout si. Moi, je vérifie tout à chaque fois parce qu'il suffit qu'on ait bougé d'un demi-millimètre ou d'un millimètre, et en fait, c'est parti, quoi. On a un décalage tout le long, et puis bah, vous avez vos tablettes qui sont dans tous les sens. Donc là, je vais redéfoncer la deuxième rangée, et vous allez voir que bah, nos trous sont en effet parfaitement alignés les uns aux autres. OK? Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Alors, aussi, juste un petit détail dont je voudrais vous parler, c'est que l'idéal, c'est de l'utiliser avec l'OF 1010. Après, vous pouvez l'utiliser avec d'autres marques, hein, j'imagine. Mais l'OF 1010, en fait, on sait remettre le système d'aspiration. Malheureusement, ici, avec l'OF 1400, le système qui permet de bloquer la machine sur la platine empêche de venir mettre mon petit support d'aspiration. Donc voilà pourquoi je ne sais pas mettre. C'est le seul petit bémol que j'ai à apporter au système avec la 1400. Maintenant, malheureusement, mon EF 1010, elle est mise en sous-table permanent. Donc ça m'énerve un peu de démonter ça juste pour faire le système 32. Voilà, c'était juste pour la parenthèse concernant l'aspiration, quoi. Alors pareil, toujours quand je ponce ou quand je fais ce genre de choses, je mets toujours mon tuyau d'aspiration sur les épaules. Certains vont peut-être se demander pourquoi. En fait, c'est tout simplement pour que mon tuyau ne touche rien. Donc, que ce soit les câbles électriques ou autres, généralement, je les mets autour des épaules. Comme ça, rien ne gêne au niveau de l'avancement. Des fois, on ne s'en rend pas compte. On a la tête dans le guidon, on avance. Puis alors, on a notre tuyau d'aspiration qui accroche le coin du panneau ou le coin du rail. On déplace, on dérègle et puis on est dans l'embarras, quoi. Et puis c'est parti. Voilà.
Ok. Donc là, c'est le fil de l'aspiration. Ok. Donc, comme vous pouvez voir, tous nos systèmes sont faits. Et maintenant, je vais vous montrer que c'est parfaitement d'équerre et que les dimensions sont bonnes. Donc, je vais prendre cette équerre-ci qui, bon, elle est quand même pas top, top précise. Mais bon, voilà, c'est pour que vous voyez quand même. Voilà. Donc, notre système, il est mis à l'équerre. Voilà. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Voilà. OK. Je vais retourner ici au bout. Voilà. D'accord. Donc, on est vraiment bien. Je peux même remesurer entre mon premier trou. Donc, ici, au bord, je suis à 4 cm,9. D'accord. Et quand je viens vérifier ici de l'autre côté, voilà, pareil, je suis à 4 cm,9. D'accord. Donc tout ça pour vous dire que ben voilà, il y a quand même toute une chier de trous à faire. Et malgré tout, ben on est pas mal. C'est propre, c'est facile, il n'y a pas d'éclat. Voilà. Donc est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses à dire, Louis, là-dessus? Est-ce que tu as compris comment est-ce que ça fonctionnait? Donc en gros, si maintenant je te demande de réinstaller ça sur l'autre planche, tu sais le faire. Ouais. Ouais. Allez, ok. Ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cette présentation aussi, que ça a été clair. Si ce n'est pas le cas ou si vous vouliez voir d'autres accessoires par rapport au système ou autre, n'hésitez pas, mettez-le dans la vidéo, on pourra le refaire. On a d'autres placards à faire plus tard, bon, ce sera plutôt dans la période hivernale. Mais voilà, on a d'autres choses à faire. Là, maintenant, on va continuer l'assemblage de notre petit placard. On va faire en partie avec la Zeta. Donc on va aussi vous présenter la Zeta et les différents types d'assemblage parce que je vois souvent dans les vidéos, beaucoup parlent du Clamex et quasiment que du Clamex. Mais en fait, la Zeta, c'est une mine d'or parce que vous avez 36 assemblages. Et donc, je vais essayer de vous présenter la machine avec les différents systèmes d'assemblage qu'elle vous permet de faire, sauf un seul parce que je n'en ai pas en ma possession pour le moment. Mais bon, voilà, j'essaierai de vous montrer au mieux et de vous montrer ses caractéristiques. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et puis n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. À la prochaine.